Elle a marqué les esprits par son incroyable prestation dans La vie est belle. Vendredi 31 décembre 2021, Jeannine Anne-Rouze est morte. Âgée de 84 ans, elle a succombé à une infection abdominale, a fait savoir TMZ. Elle se serait battue durant plusieurs mois contre la maladie. Elle avait travaillé en tant qu'actrice durant son enfance, des années 1940 à 1950. Elle signe d'ailleurs sa meilleure performance en 1946, dans le célèbre film. Elle a joué qu'une et seule fois pour le cinéma dans La vie est belle. Elle incarnait le rôle de Violet. Elle avait alors 9 ans. La vie est belle est le seul film auquel j'ai participé et c'est l'expérience extraordinaire de toute une vie, que d'avoir été dans un film aussi important pour tant de gens, avait-elle déclaré des années plus tard, comme le rapporte encore TMZ. C'est à l'âge de 8 ans qu'elle a décroché son premier rôle dans l'émission de l'humoriste Jack Benny. Elle a également joué dans les émissions de radio The Fitch Bandwagon et The Phil Harris Alice Faye Show entre 1946 à 1954. Un peu plus tard, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière d'actrice pour devenir psychanalyste. Elle avait toujours ressenti le besoin d'aider les autres d'une manière ou d'une autre. Loading widget.